Comme de nombreuses autres candidats de télé-réalité et influenceuses, Laura Lampica a décidé de déménager à Dubaï. La maman de Zlatan et Nicolas Lozina avait décidé de quitter la France alors qu'ils étaient encore en couple. Désormais séparés, ils ont chacun pris des chemins différents. Si Nicolas Lozina est retourné dans sa Belgique natale, Laura Lampica a, quant à elle, décidé de rester à Dubaï. Bientôt de retour en France, lors d'une session questions-réponses sur Instagram, Laura Lampica a pu répondre aux indiscrétions des internautes. L'un d'entre eux lui a demandé si elle envisageait de retourner vivre en France dans les années à venir. Non. J'aime mon pays mais l'insécurité est trop présente. Je ne m'y sens pas en sécurité. Je trouve que la France a changé. A-t-elle déclaré. Elle revient sur sa vie sentimentale malgré sa rupture avec Nicolas Lozina, Laura Lampica affirme continuer d'avoir de bons contacts avec ce dernier. Il faut dire qu'ils ont un enfant ensemble. Elle qualifie même les relations qu'elle a avec lui de très bonnes. Nous sommes une famille quoi qu'il arrive et nous restons unis. Même si nous ne sommes plus ensemble, nous nous considérons comme une famille. Nous respections la vie de l'un et de l'autre et nous faisons tout pour que le petit soit heureux car c'est notre priorité. Mais pas question pour cette mère célibataire de présenter son fils Zlatan au premier homme qui viendra de nouveau partager sa vie. Oula alors là, je ne compte vraiment pas présenter Zlatan tant que je ne me remarie pas lol. Non, plus sérieusement, je ne compte pas du tout présenter Zlatan et ce n'est pas une question de temps. Ce sera une question de stabilité de relation. Il va falloir vraiment que ce soit très sérieuse absente des 50 candidates très célèbres, Laura Lampica ne fait pas partie du casting de la saison 2 des 50 de W9. Elle s'en explique, oui j'ai été appelée. J'ai refusé pour la simple et bonne raison que je ne veux plus faire de programme de divertissement à part C'est la famille qui est un programme qui me convient. Pour le reste, j'arrête définitivement la télé-réalité. Qu'en pensez-vous? I just need